Bonjour à tous et bienvenue. Il y a quelques jours, je parlais avec un ancien international et on évoquait le statut du joueur et principalement des jeunes. Et il a une formule que j'ai trouvée très intéressante. Il me disait, nous on est des produits. Sauf qu'à la différence d'un produit Apple, le joueur c'est un produit avec des émotions. Et ça, tu peux pas forcément le contrôler. Et ça, c'est ce que beaucoup de clubs oublient dans le fonctionnement. C'est la psychologie, l'aspect humain. Et pourtant, vous allez me dire, notamment quand on parle de formation, on entend tous ces grands dirigeants dire « Oui, nous, c'est l'école, c'est l'être humain, on forme des hommes avant de former des joueurs et tout. » Alors, bien évidemment, vous vous doutez que ce sont des foutaises dans la plupart des cas. Et malheureusement, on oublie de parler de la dépression de plus en plus grande dans le milieu du football, dans le milieu de plein d'autres sports, et qui touche principalement les jeunes qui ne réussiront pas à passer le professionnalisme. Parce que pour tous ceux qui réussissent, il y a l'immense majorité qui ne réussira pas et qui perdra ses rêves, pourquoi pas même l'espoir de toute une famille qui des fois a tout sacrifié afin que leur fils puisse permettre à la famille de s'élever socialement ou de réaliser ses rêves. Donc à partir de là, ça peut faire pour certains une véritable descente aux enfers, notamment mentale. Certains vont tomber dans l'alcool, la drogue, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses très sombres à ce niveau-là et il y a un manque d'accompagnement. Et évidemment, il y a quelques mois en Angleterre, il y a une affaire qui a quand même fait beaucoup parler, pas tellement en France. C'est un jeune joueur qui appartenait à Manchester City auparavant, qui est un grand espoir, mais qui a souffert d'une grave blessure et qui n'a pas passé le cut donc chez les Citizens, n'est pas devenu professionnel. Et un peu plus tard, s'est donné la mort, s'est suicidé. Donc cette affaire, elle avait fait grand bruit. Et là, à l'inverse, on va dire, tu as Crystal Palace, il y a quelques semaines, qui a annoncé que eux, eh ben, ils vont faire un accompagnement spécial, c'est-à-dire c'est une initiative, c'est une première, de 3 ans, même si le joueur n'est pas gardé, ne passe pas pro chez les Eagles, afin de l'accompagner psychologiquement, humainement, et également pour l'aider à obtenir un métier, pourquoi pas notamment en lien avec le sport et même avec le football, parce qu'aujourd'hui, on a une galerie de métiers potentiellement autour du footballeur qui est incroyable, que ce soit sur le domaine de la préparation physique, de la nutrition, de l'accompagnement mental, de l'analyste vidéo, bref, du marketing digital. Si vous regardez le nombre d'emplois différents liés à un club de foot, c'est absolument colossal. Donc Crystal Palace a annoncé cette initiative qui sur le papier est intéressante, de l'accompagnement réel, humain, scolaire et à tous les niveaux. Mais bien entendu, quand vous êtes jeune et que vous jouez au foot, au basket, dans quel autre sport, c'est pas les études qui vont vous intéresser pour la plupart. Et des fois c'est un discours qui est compliqué à entendre pour quelqu'un qui a 15-16 ans et qui est focalisé sur une chose, c'est son rêve, c'est de devenir une star, c'est de devenir un grand joueur, etc. Sauf qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que 98 à 99% des jeunes qui sont en centre de formation ne réussiront pas à être professionnels. Et ça, il faut que les familles aussi soient au courant, parce que des fois, nous-mêmes, on va alpaguer des agents, dire voilà, ils sont véreux, ils pensent qu'à l'argent, ou certains clubs qui ne pensent qu'à former pour vendre derrière et s'en mettre plein les poches, ce qui est une réalité chez certains. Mais tu as aussi plein de très bons formateurs auxquels il faut rendre hommage, qui font ce métier encore pour les meilleures raisons, c'est-à-dire la transmission de ce sport, la transmission de cette passion. Et des fois, c'est pollué par des entourages qui misent tout sur des gamins, sur des parents qui misent tout, sur des oncles, des cousins. Enfin, les familles, des fois, c'est très compliqué. Et en fait, ils vivent leur rêve par procuration. Et leur rêve, c'est même pas tellement le football, c'est l'ascension sociale, c'est tout ce que ça peut regrouper le statut d'un joueur, potentiellement la célébrité, l'argent, l'accès, le pouvoir et tout. Donc faut pas oublier des fois les pressions incroyables mises par les familles. Donc ça c'est un autre point. Et bien entendu, il y a plusieurs exemples dans lesquels on va définir sur la formation. Évidemment, le premier exemple, c'est le plus connu, c'est celui qu'on voit à la télé, etc. C'est l'espoir, le crack, celui pour lequel on va acheter une place, etc. Mais le véritable espoir, celui qui va jouer dans son club formateur, quand il est vraiment bon, c'est quoi le but derrière pour 95% des clubs, hors PSG, etc. C'est de le vendre. On forme pour vendre. Il ne faut jamais oublier que la formation, derrière ces beaux habits, c'est aussi, pour beaucoup de clubs, une survie économique qui est légitime pour certains. Alors tu as des clubs qui ont fait cette tradition de formation en D2, en National, etc., qui ensuite vendaient en effet pour mieux survivre. Même à l'époque, un club comme Virton en Belgique, Virton avait fait son succès et parvenait à subvenir à ses besoins de par une formation, et quand les mecs avaient fait certaines années, et ben ils partaient et ça faisait quelques indemnités de transfert qui permettaient au club de survivre. C'était un petit club. Aujourd'hui, on a complètement changé, on met un énorme budget pour l'équipe première, rien pour la seconde. Enfin bon, on pourrait faire des romans sur ce qui se passe à Virton, mais c'est pareil en France. On se rappelle tous forcément de Sochaux, d'Auxerre, des clubs comme ça qui ont permis d'exister à la formation. Et si tu regardes quand même, les joueurs faisaient quand même plusieurs années. Sauf qu'aujourd'hui, le football est complètement différent, les mecs partent de plus en plus jeunes. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse ces clubs-là pour la vente, c'est que plus tu les fais jouer jeunes, plus tu te dis ils vont récupérer de la valeur et un gros club étranger va mettre beaucoup d'argent dessus. Alors évidemment, des fois, tu as des consignes chez certains clubs afin de faire jouer davantage de jeunes, non pas pour valoriser la formation, mais pour valoriser la cote, la valeur du joueur, le produit, la marchandise, afin de le vendre. Pas question d'humain ou autre. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser, et là on va le mettre dans la deuxième catégorie, parce que tu as les cracks. Mais les cracks, c'est quoi?
C'est 0,5% à peu près de ce que tout ce qui va être formé. Ensuite, tu as celui qui va passer pro. Alors, celui qui va passer pro, allez, on va être gentil, on va dire 2-3%. Quand je dis 2-3%, c'est de tous les gamins qui ont commencé le principe de formation dans le club. Donc là, si vous voulez, on a, excusez-moi, entre les espoirs et ceux qui sont pro, 3-4% maximum qui vont arriver pour le rêve. Donc le pro, comme je dis, c'est le bon joueur, celui qui va obtenir son contrat en effet, et qui va ensuite, on va dire, allez, rejoindre l'effectif professionnel de Ligue 1, de Ligue 2, de D1B, bien sûr, ce que vous voulez, et qui va jouer régulièrement. Et là, savourez l'ironie, pour la plupart des équipes, c'est très pratique, parce que déjà, ça fait pour le quota, c'est bien pour les statistiques, pour l'image, et en même temps, tu le payes souvent moins cher que les autres. Faut pas l'oublier, quand même, tu vas jouer sur la mort du club, bah oui, voyons. Alors, ça, normalement, ça fait plaisir aux supporters, en plus, pour l'ancrage local, donc c'est important, mais ça représente une minorité encore. Parce que l'immense majorité, elle ne réussit pas. Elle ne réussit pas. Alors, il y en a qui vont réussir dans la case pro, et là, on va pouvoir faire des liens, justement. Tac. Tous ceux qui passent pro au début, et bien la plupart, t'en as certains qui vont être entre le gros statut d'espoir et de bons joueurs pro qui vont jouer, puis t'as tous les autres qui petit à petit vont obtenir des prêts en division inférieure, et puis ça va peut-être mal se passer, va avoir une blessure, va avoir un problème, ou que sais-je encore, et ça va être la dégringolade. Et là c'est très dur pour les gamins, qui des fois sont pas préparés à ça, qui étaient des cracks quand ils étaient jeunes, mais peut-être parce qu'ils ont un manque de croissance, des fois ça arrive pour certains, ils n'ont pas grandi comme c'était espéré, ils vont avoir une blessure, ils vont avoir du mal à revenir, au niveau de la confiance, un coach qui va changer, un agent. Parce que dans certains clubs, il faut changer d'agent. Parce que si t'as pas le bon agent, tu ne réussiras pas non plus. Et ensuite, tu vas dans un prêt, ça se passe mal, etc. Et des fois, c'est aussi une succession de rencontres, d'opportunités. Et donc, ta carrière, elle va tout simplement descendre. Et là, ça peut être une spirale infernale. Qui va, déjà, ton téléphone va beaucoup moins sonner. Tu te rends compte qu'en fait, t'avais des amis, mais en fait, ils étaient là parce que potentiellement, tu étais intéressant. Parce que tu pouvais offrir de l'argent, de l'accès, de la célébrité. Donc tu vas connaître aussi la solitude. Et t'as plein de gars, quand ils descendent comme ça, c'est pas que ce sont des mauvais joueurs, c'est qu'à un moment donné dans la tête, tu perds le chip. Et que peut-être physiquement, voilà, t'as eu un mauvais truc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées entre le corps et l'esprit. Et donc ça, c'est la majorité. Pour un Mbappé ou un Chancel Mbembe, on en reparlera juste après, tu as tous les autres. C'est l'immense majorité. Je le redis, le tableau il est simple. Des crac-crac, c'est même pas 1%. Ceux qui passent pro, c'est 2-3%. Donc 95-98%, ils ne réussiront pas à être professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas une petite carrière semi-pro ou peut-être si on sait dans un autre championnat, mais c'est dur. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui abandonnent le foot et t'en as plein qui tombent aussi dans des mauvaises phases. Alcool, dépression, ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. Certaines dépendances également, parce que tu perds tes rêves et parce que aussi des fois certaines familles se sont énormément appauvries, ont mis tous leurs espoirs sur le gamin. Et qu'est-ce que les clubs font dans ces cas-là? Bah malheureusement, les clubs, il n'y a pas de structure d'accompagnement. Tu en as certains qui vraiment carent pour les enfants. Et je pense à une personne qui s'appelle Cynthia Liger, qui est une Argentine, qui est avant psychologue chez les jeunes à River Plate. Et elle m'expliquait un peu tout le travail qu'il y avait. Et à l'époque, en Argentine, c'était révolutionnaire de mettre une psychologue justement chez les jeunes. C'était Génération Falcao, Mascherano, etc. Elle les avait tous eus. On a longtemps parlé. Et River, à cette époque, avait mis des nutritionnistes pour le faire. Ils avaient fait plein de choses. Des accompagnants au niveau spirituel. Enfin, il y avait véritable projet. Sauf qu'à un moment donné, l'équipe dirigeante, elle a changé. Et là, on a dit non, non, entre guillemets, ça coûte trop d'argent. Et oui, en plus, on veut produire pour du low cost. Parce que quelque part, c'est l'usine à gaz. C'est une usine à bestiaux. Et il n'y a que la loi du plus fort. C'est que le plus fort qui va y arriver. Et tous les autres, vous en faites quoi? Quand Chancel Mbemba, du MK Étanchéité, qui est au Congo, est envoyé en Anderlecht en Belgique, où après, on l'a renvoyé mener au pays, puis il est reparti et tout. Il va réussir par la force de son talent. Et encore une fois, je tiens à lui rendre hommage parce que c'est un mec vraiment bien humainement. Tout ce qu'il fait pour son pays et tout. Si tous les gars étaient comme Chancel Mbemba, je peux vous dire que la sélection congolaise, elle serait tout en haut. Alors oui, c'est pas son bon âge, etc. Ok, d'accord. Comme plein d'autres, j'ai envie de te dire. En Amérique latine, en Irak. Les Irakiens, c'est les champions du. Là, je truquais aussi en Europe un peu de l'Est. Il n'y a pas qu'en Afrique, je tenais aussi à le dire. Mais bref, ce gars-là, tout ce qu'il a bouffé, tout ce qu'il s'est pris, il n'avait pas de couverture sociale quand il est arrivé en Belgique et tout. Finalement, il va réussir. Par son travail, par tout ce que vous voulez. Mais il y a combien de Congolais qui ont été envoyés en Belgique, où on a ruiné des familles, qui ensuite ont été lâchés, qui ont presque été clandestins? Il y en a même un Congolais qui s'est fait soigner de manière clandestine, parce qu'en fait, il avait une blessure, et l'ancienne direction d'Anderlecht avait dit « Dégage-toi, dégage ». Il s'est fait soigner dans une clinique vers Le Mans, si je dis pas de bêtises, par le docteur Mboyo, qui lui aussi fait un petit peu agent, enfin c'est encore autre chose. Il y a des destins complètement brisés. Et donc derrière, Kylian Mbappé. Je dis Chancel Mbemba parce que c'est une énorme réussite. Quand tu vois d'où il est parti aujourd'hui, là pour nous, tu peux que dire bravo, tu peux que t'incliner quand tu connais vraiment son parcours. Il y a tous les autres.
Et on a tendance à les oublier, et les clubs ont tendance à les oublier. Et quand j'entends un club comme Saint-Étienne te parler de formation et d'humanité, quand Saliba, ils pouvaient le vendre, ils ont essayé de tout faire pour lui faire changer d'agent, et que sur le transfert de Fofana, alors j'ai rien contre les mandats club et mandats joueurs, mais bon, je dis bravo à Philippe Piola, il n'y a pas de problème, mais enfin quand même, le transfert avec les dirigeants de Saint-Étienne, où les mecs pensaient qu'à un truc, c'était le transférer, et après te dire publiquement, oh là non, on veut garder les gens, pensaient qu'à l'argent. Et que j'ai ce faux discours, oui, c'est l'humain et tout, non. Il y a très très peu d'humains malheureusement, ça n'empêche qu'il y a de très bons formateurs, mais qu'aujourd'hui la plupart des clubs, quand ils mettent des directeurs de centres de formation, ils mettent des businessmen, ils mettent des politiques. Ils mettent des gens qui sont déconnectés des familles, qui sont malheureusement assez hypocrites et qui sont là pour des intérêts personnels. Et quel est... Enfin, c'est quand même terrible de se dire que dans ce secteur-là, on ne met pas des véritables gens qui ont cette fibre. La fibre de la transmission, la fibre des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on en revient sur le modèle économique des clubs et la manière dont c'est géré. C'est-à-dire que tu fais de la formation, non pas pour valoriser, pour avoir une bonne équipe avec un système d'ancrage local identité, tu fais de la formation parce que ça peut te rapporter du pognon. C'est aussi simple que ça. Dans 90% des cas. Et s'il y a des gamins qui tombent en dépression ou qui tombent dans l'alcool ou qui font plein d'excès et qui, des fois, on couvre aussi des choses terribles, on pourrait parler des Lee Wei notamment, et ben c'est pas grave. Parce que ce qu'il faut, c'est rien dire. On parle des réussites et tous les autres, on oublie. Donc voilà, évidemment, c'est un sujet qui mériterait des conférences entières, plein de témoignages, des livres et tout. Là, c'était simplement un peu une introduction, un billet d'humeur. J'espère qu'en tout cas, ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Et puis surtout, bah, courage à tous ceux qui ne réussissent pas. Parce qu'il y a une vie derrière le football, il ne faut jamais l'oublier. Et ça, ça vaut surtout pour les parents qui pensent que leur enfant, c'est avant tout un placement pour le futur. Allez, j'en ai assez dit. Je vous dis à bientôt.